Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, pour la première fois sur la chaîne du Caribou Canadien, le jeu Donk Knock Twice. Sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Deux fois! Donk Knock Twice, ne cogne pas deux fois! Bon. Mais fous-moi la paix, putain, Chloé. Prenez la chandelle pour... Qui cogne à la fenêtre? Casser ma vitre. C'est de schnappant! On peut aller vite, on peut aller vite, comme ça. Toc toc. Qui est là? Tabarnak! Mais pourquoi tu as coupé le courant? Je te déteste. De quoi tu parles, toi? Il n'y a pas le feu au menton. Au menton, au manteau. Ça a de la barrée.
Qu'est-ce que je prendrais le bâton de golf dans les mains, moi? Je swing un bâton de golf, ça fait mal en tabarnak. Tabarnak fait du bruit, monsieur. Viser, lancer, lire. Histoire de l'artiste et sculpteuse récompense Jessica Webb Thomas. L'inspiration peut venir de toutes parts, de toutes choses. La mienne est régie par ma relation avec ce monde et par ce à quoi je me sens connecté. J'avais 9 ans quand j'ai su que je voulais être une artiste. Je voulais tout le temps... Je jouais tout le temps avec l'argile, mais c'est lors de mon adolescence que j'ai découvert que j'avais un vrai talent pour la sculpture et cette passion perdure. Je suis fasciné par les liens que nous tissons en tant qu'êtres humains. Le lien le plus fort est celui entre une mère et son bébé. Ministère de la Santé et des Services sociaux, Division de la protection de l'enfance, 2 septembre 2016. Mesure de garde provisoire. Chère Madame Jessica Webb-Thomas, je vous prie d'accepter cette lettre comme un accord concernant Chloé Ann Webb. À la lumière de preuves fournies et avec le consentement de Chloé, nous sommes heureux de vous informer que nous vous accordons une période d'essai pour la garde de votre fille. Lorsque les dates seront fixées, nous vous enverrons une dernière lettre de confirmation. Cordialement, Julie Andrew, Division de la protection de l'enfance. Oups. Barré. Je vois rien. Ouvert. Barré. Il y a quelqu'un? C'est qui dévierge ma porte? Putain, je suis barré dehors! Shit. Tiens, il est en hors et en dedans. Décide-toi, tabarnak. Barré. Oh, c'est barré. Bon. Ok, va à la fenêtre, là, je vais le tuer, lui. Ça fait peur, le petit fucker. C'est quoi ça? Viser, lâcher, lancer.
Je regarderai après ce que je pourrais faire avec ça, parce que là... J'ai pas gardé le milieu, hein. Qu'est-ce que je vois pas? Tabarnak, je suis là. Tu vois quoi? C'est un... Ah, tu fais trop noir, toi? C'est un caribou! Ah, c'est quoi, ça, là? Un basket. C'est vrai, dans l'ail, ça a l'air plus noir. On peut lancer, fait. Saisir. Je peux mettre plus... Ben, c'est pas ce pire, hein. C'est barré. Hey, je t'aveugle. Ah, elle est là. Mm-hmm.
Bon, fallait que je regardais par elle. Tu vas encore me plaquer, c'est pas vrai, putain d'égoïste. De quoi tu parles? Et puis là. Fallait que je gardais vers la fenêtre, tabarnak, hein? Ben, ça fait une 10 minutes qu'elle cogne à la porte. Un cadre par la tête. Moi, si je courais pas, j'aurais peut-être eu peur, mais... pas eu le temps, je courais. Chandelle plus bonne? Oh! Ouais. Il y a du sang ici, là. Ça a rien de venir ici dedans, là, qu'à moi. Là. What the fuck? Viser. Lancer. Dans le feu. Non, je suis mort en haut. Pas par là. Sit. Une échelle à gauche, une échelle. Ok. Un barnac de calice. Oh. 12 octobre 2016, encore un enfant disparu. Un garçon du coin fait partie de nombreux enfants disparus. Ces dernières semaines, il a été vu la dernière fois en train de frapper aux portes des habitants, puis s'enfuir avec ses copains. Voir page 19.
Une poupée russe. Imai. Pas Imiamao. Oh, des traces. Fermé. L'horloge grand-père. Des traces. Oh, cadenas. Bon, on fouille ça ici, puis après on monte en haut. Bon, allez, on monte. J'ai pas aimé ça, les petits frissons en fait dans mon corps. Ah ouais, clique là-dessus. Prescription de méthadone, du soude, le comprimé en 300 ml d'eau, jus d'orange ou autre boisson non alcoolisée à base d'agrumes. Ces comprimés se dissoutent dans le liquide, boire immédiatement. La méthadone, c'est pas celui-là qui est en détox de drogue, ça? Garçon 9 ans, couleur de cheveux, on s'en calisse, disparition le lundi le 10 octobre 2016, et portant un pull rouge, foncé sur un t-shirt blanc, un jean bleu et des baskets blanches. Si vous avez des informations, appelez-moi. Les grandes maisons en site. Je vais m'en coucher. Journal de Chloé, 31 octobre 2016, cette nuit. Après avoir essayé de comprendre ce rituel de merde que j'ai trouvé, j'ai fait un rêve. Ce n'était pas vraiment un rêve, mais plutôt comme si j'étais en train de revivre un souvenir. Une horrible porte a apparu devant moi et il y avait une tête de chèvre dessus. Ça m'a terrifié. Les enfants disparus que j'ai vus dans le journal attendaient juste à l'extérieur et je criais « Ne frappez pas à la porte !» Deux gros coups ont résonné et je me suis réveillé en sueur. Je sais que ce n'était qu'un rêve et que Baba Yaga n'existe pas, mais cela semblait tellement réel.
Jess et Chloé. C'est quoi ce bordel? Y'a quelqu'un? Va te faire chier, toi, dans mon téléphone. Excusez, esti. J'étais une toxicomane. Je déteste ce mot, mais c'est la vérité. Quand la situation est devenue incontrôlable, j'ai pensé qu'il était plus sûr que tu sois avec quelqu'un qui peut prendre soin de toi. J'ai essayé de te récupérer plus tôt, vraiment, mais il me laissait pas faire. Il me disait que je n'étais pas prête. Mais je suis maintenant. Je t'aime, Chloé. Bon, j'avais raison. Mais ta donne, c'est pour les droguer. Prennent ça pour essayer de... pour lui prendre la drogue. Caribou? Oh, ça dit. She's mine, elle m'appartient. Elle est à moi. Journal de Jess, 16 octobre 2016. J'aimerais que Ben soit là. Cette différence en lui, il a été mon point de repère durant tout ce temps et m'a beaucoup soutenu pour la garde de Chloé. Il avait raison en disant qu'on ne pouvait pas changer le passé et que... et ce qui compte... ce qui compte, c'est que j'essaie de faire de mon mieux maintenant. La chose la plus effrayante est quand on a un enfant. Ce n'est pas la douleur ni les nuits blanches, c'est l'amour et personne ne vous prépare à ça. J'ai aimé Chloé dès qu'elle a été née. Quand j'étais drogué, quand je l'ai abandonné, même lorsque des milliers de kilomètres nous séparaient, et je l'aimais encore aujourd'hui. Elle est à moi, et je ne laisserai personne me l'enlever. Reza, tue tout le monde. Silent Star, what's up? Ah ben, tabarnak. Les aussi graines d'oiseaux. On dit qu'il y a quelqu'un en arrière là, mais je pense que c'est une statue.
lauréat du prix d'art Saphir 2012, l'eau du puits pour nettoyer les larmes des innocents. Qu'elle dévore. Une statue. Journal de Jess, 11 octobre 2016. C'était compliqué ces derniers jours, Chloé. Me déteste, mais je ne lui en veux pas. J'essaie de me racheter auprès d'elle en essayant de lui faire voir que je ne suis pas cette personne qui était incapable de veiller sur elle il y a des années. Les laisser l'amener loin de moi fut une décision la plus difficile que j'ai pu prendre. Mais il fallait. J'avais besoin d'aide. Aujourd'hui encore, parfois, quand j'ai du mal à dormir, je me demande si c'était vraiment la seule solution. Dieu merci, j'ai mon travail pour me distraire. Cette nuit, j'ai passé des heures dans l'atelier de travail, ma dernière sculpture. Je ne suis pas encore totalement satisfaite du résultat, mais je suis sur la bonne voie. J'aimerais tellement pouvoir en dire autant de ma relation avec Chloé. Oh, bébé est plus là. Bébé est parti. La coupe est en ligne de ça. Bon, ok. Moi, j'ai la porte site ouverte à cette heure. Hey, toi, ton esti de téléphone là, qui fait. Pourquoi tu me fais ça? Je voudrais que tu crèves! Ben, c'est gentil, ça. Dans le folklore slave, la Baba Yaga est un être surnaturel qui a l'apparence d'une femme difforme et féroce. C'est la plus ancienne des sorcières, extrêmement obscure. Elle réside dans la part purgatoire et se nourrit d'enfants. Elle ne peut pas se contenter d'attraper des enfants pour le manger. Il faut qu'ils lui soient donnés sous forme de sacrifice. Ce rituel lui octroie le pouvoir de défier la mort en personne. Un lance-flamme.
Hey. Je sais plus où est le plancher. Allez. Plus rien d'écrit. Ben voyons, tabarnak. On voit un danseur. Hein, Carlis, ouais. La porte qui est là, s'ouvres-tu? Calisse-moi encore, hein? J'ai trop peur, putain, il vient pour moi, tout est ma faute! Qu'est-ce que t'as fait encore? Amnésie, saphir, rubis, émeraude, diamant. Chloé, 9 ans, avec le rubis, sa poupée préférée, le feu pour cuisiner, son cœur inerte et gelé. Pardon. Aide-moi, s'il te plaît. Je voulais pas dire ça. Ben ouais. Tout en fait. Tout en facile, ça, après. Ben Thomas, concernant Jessica Webb, Thomas... aux personnes potentiellement concernées. Je connais Jess depuis plus de 5 ans. Maintenant, dans 3 ans d'un mariage heureux, c'est avec un grand honneur et privilège que je vous décris la personnalité de mon épouse. Elle est mon âme sœur, une femme passionnée, aimante et intentionnée. Elle est une épouse sur laquelle pleurer ma voix de la raison et je serai heureux qu'elle soit la mère de mes enfants. Je crois que priver Chloé de Jess... c'est la privée de tout ce qu'elle a à offrir, mais aussi l'opportunité pour elle de se racheter. Nous savons que les erreurs ont été faites il y a longtemps et je suis certaine que Jess fera tout pour s'assurer que Chloé est en sécurité, aimée et heureuse. Elle a changé du tout au tout. Je crois vraiment qu'elle mérite une seconde chance d'être sa fille. Cordialement, Ben Thomas. Ok, ouais, je sais ce que je suis. Mmh.
Hey! Juste, c'était marqué quoi? Qu'est-ce qui m'arrive dans la cuisine? La poupée, elle brûle. Je sais pas, elle est où la cuisine? Elle est là. Hein? Il y a quelqu'un qui était par là. J'ai déjà été là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ça se peut aller dehors? On peut pas y aller. Je sais même pas si... La cuisine. Il était une fois une jeune femme intimidée et tourmentée par tous les habitants de son village. Elle était toujours seule et voulait être maman, avoir un enfant dont elle aurait pris soin, qu'elle aurait aimé. Au fil du temps, elle était de plus en plus recluse. Les enfants se moquaient d'elle, sachant qu'elle souhaitait être mère. Il frappait à la porte de la... en s'enfuyant, on dit que c'est une... c'est ça qui l'a rendue folle. Dans sa folie, elle signa un pacte avec un démon. Ce démon... c'est Baba Yaga. Ce pacte permit à la jeune femme d'exaucer un vœu avec avoir un enfant. Elle devait alors servir la Baba Yaga en organisant des sacrifices. Elle décida de se venger des enfants du village en plaçant en malédiction, en maléfice sur sa porte. Tout enfant frappant à cette porte était alors condamné au sacrifice et dévoré par le Baba Yaga. Baba Yaga! Utilisez la hache pour ouvrir la porte verrouillée. Une hache? Qu'est-ce que Carlis, une hache ferait dans la cuisine? Frigidaire est pris. Bon. Ah, mais Cordius.
Et arc, Nadra. Bon, ça c'est vraiment parti en bas. Ouais, il est parti en bas. Le piano joue. La chanson russe. Ok, mais le frigidaire a tombé derrière la porte. C'est là que j'ai rentré. Je peux plus sortir. C'est moi qui manque de quoi là, et la hache peut t'appogner de nouveau. Ah. Attends toi, maudit calice. Baba Yaga. Le bon temps, la bonne note est la clé pour trouver l'esprit serviteur. Bon. Donne-moi ça, toi. Bon, mais tantôt, il y avait des... Ah, c'était tantôt, là. Il y avait un cadenas, là. Tu mets ici. Le pain est là. La chef du Québec, what's up? T'as encore acheté ma crise de hache à terre? Rien, c'est dans... Oh, dans le plafond. Rien non plus. C'est toi en haut, j'ai vu.
C'est barré. Si je vois, puis je fais comme... C'est connu, les haches puis les miroirs, ça casse pas. Tout le monde sait ça. C'est ici tantôt qu'il y avait quelque chose. Salut Gwen, comment ça va, femme? Il me semble que c'est ici que j'ai vu quelque chose tantôt. Ah, c'est là, mais la hache, ramasse-les. Tranquille, merci. Ramasse! Le canon est là, il est enfermé. Pas de stress, Turbo, on va arrêter ça là. Oh, y a une feuille à lire, par exemple, avant. La cuisine, le hall entier, la télé de dessin, la salle de jeu, le sous-sol. OK. On peut pas aller par là. Je vais finir d'explorer ici au moins. Y'avait-tu juste ça là-dedans? Un canard en plastique. Je vais prendre la hache de nouveau dans mes mains, là, parce que là, déjà, je sais plus ce qu'aller. Allez, où j'ai fait tomber cette hache-là, là? Elle est là. Bon. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Donc Knock Twice live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!